Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pâtisserie et nous allons préparer un gâteau de semoule. Allez, on verse le lait dans la casserole. On le laisse monter un petit peu en température, donc je remue pour pas que ça colle au fond. Et pour pas que ça apporte un goût de brûlé au gâteau. Alors là, j'ai mis à chauffer à thermostat 8. Et une fois que ça va commencer à frémir, je vais baisser à thermostat 4. Bon, je vais aussi allumer mon four pour le mettre à préchauffer à 190 degrés. Voilà. À chauffer. Voilà. Là, on va pouvoir mettre notre semoule. On voit que la semoule est en train de gonfler. Parfait. Allez, on va s'occuper de nos œufs et de notre sucre. On baisse la plaque. Voilà, on passe un thermostat 3, ça suffit. Comme ça, ça va continuer à gonfler le temps qu'on s'occupe du reste. Allez, on a un petit saladier. On casse nos œufs. Bien, et on ajoute le sucre. Et voilà, c'est prêt. Allez, à présent, on va couper la plaque. On va retirer notre casserole de la plaque. Hop là. Alors, dans nos œufs, on va commencer à ajouter notre appareil. Donc, le lait et la semoule. On le fait progressivement en mélangeant pour pas que ça cuise les œufs. Voilà, on ajoute le reste. Et voilà. Et voilà, l'appareil est prêt. Allez, à présent, on va mettre l'appareil dans un moule. Donc moi, j'ai choisi un moule en silicone. On répartit bien la semoule. Il ne nous reste plus qu'à enfourner. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Bon, la cuisson avance bien. On voit que la semoule commence à bien gonfler. Allez, encore 10 minutes et ça va être bon. Alors, voyons voir. On pique. Et voilà, rien qui colle, donc c'est cuit. Allez, voyons voir le résultat. Impeccable. Allez, on le laisse refroidir et on pourra le démouler. Allez, à présent, on démoule notre gâteau de semoule. Hop là.
Superbe. Regardez-moi ça. Impeccable. Et voilà, c'est prêt. Regardez ce gâteau de semoule. Il est superbe. Allez, on vous laisse parce que nous, on a hâte de passer à la dégustation. À bientôt. Pour la recette, nous avons utilisé 1 litre de lait, 125 g de semoule fine, 85 g de sucre et 3 œufs.